T'es la seule qui répond. Bah oui, c'est Liamètre 2880. J'adore vous répondre, surtout quand je reçois des commentaires comme celui qui m'avait écrit « Je suis encore en train de perdre mes dents de lait ». Je peux pas ignorer ça, c'est trop trop mignon. Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, gros changement de règle. Si tu rigoles, tu cours. Enfin, c'est surtout moi qui va courir. Donc je me suis dit, on va pimenter un peu le truc, on va changer un petit peu. Et à chaque fois que je rigole à une vidéo, je vais courir 100 mètres. Alors je vais pas les faire là maintenant sur place. Hein. On n'est pas complètement fou. On va comptabiliser la totalité et à la fin, on va voir combien je vais devoir courir. Alors je suis absolument nulle en course à pied. Je suis incapable de respirer normalement. Au bout de 500 mètres, je suis mais morte. Non, mais on est d'accord que le 3 fois 500 mètres là à l'école, mais c'est de la merde. Hein. Faut arrêter de nous faire ça. C'est une torture. Je suis désolée, ça va contre les droits de l'homme. Voilà. Ça commence bien. Alors juste une autre règle que je rajoute, un sourire ne veut pas dire avoir rigolé. Donc essayez pas de me mettre des 100 mètres comme ça de force, hein. Trichez pas. Hein. Le mec a rien compris. Oh mon Dieu. Mais non. Finesse, mais ouais, je m'attendais qu'il y ait un Doberman qui court après le gosse. Mon gars, c'est un tout petit truc, tu lui fous un coup de pied, le gars, il traverse l'Atlantique, hein. C'est quoi ce truc? Tout vu, la tête qui tape contre la table, le gâteau dans la gueule à côté du gâteau, les bougies dans les yeux, oui ça doit faire hyper mal, j'ai déjà vu ça, c'est horrible. Mais alors balancer le gâteau comme ça en mode mais mec t'es un connard, on était venu à la fête juste pour le gâteau. Ceci étant dit, moi j'assume. En attendant, je crois qu'on est déjà à 200 mètres, mais ça va, 200 mètres, facile, tranquille, t'as jamais couru après le bus ou quoi? Restons calmes. Mais qu'est-ce qu'il a? Mais c'est des cils. Je suis sûr que le pauvre gosse, il a cru que c'était un mille-pattes ou un machin comme ça, une sorte de grosse araignée. T'inquiète pas mon gars, quand ça va être une araignée, tu vas la voir, tu vas pas crier pareil, hein. Moi je te le dis, hein. Tu vas te pisser dessus automatiquement, hein. Tu vas pleurer et pisser, ça va sortir de tous les trous, super. Ah. Cette pastèque est littéralement une connasse, on est d'accord. Qui a osé faire ça au chien? En parlant de chien hyper chelou, l'autre jour j'étais en train de me promener, j'ai vu dans la rue quelqu'un avec son caniche là, vous savez les grands caniches là, genre ça pue, ça se voit que c'est cher, genre ça sent le chéquier de loin, le truc il coûte 3-4 000 balles. Et je me suis dit mais pauvre bête quoi, il avait des boucles d'oreilles, je déconne pas. Alors que toi en tant qu'humain tu fasses pitié, c'est pas grave, mais pourquoi infliger cette souffrance au chien, sincèrement? Je sais pas pourquoi je rigole, c'est même pas si drôle, mais le mec était tellement stylé en mode on veut changer de chemise, on va faire une nouvelle chemise, nouveau design, yes! Et qui va courir 300 mètres? J'étais bien parti, franchement, je me suis dit je vais pas à rien, mais quand le lama il est rentré, mais c'était pas possible, ça m'a tué. Ah
Pourquoi la vidéo elle dure aussi longtemps? Alors faut arrêter de mettre des vidéos de plus de 15-20 secondes parce que c'est très difficile de se retenir de rire. Du coup, moi je suis toute transpirée là. Alors oui, vous vous en foutez, mais moi je vous donne des infos comme ça. C'est cadeau! Pauvre gosse, mais le bruit que ça a fait, mon dieu! Ma poule est toujours prête? C'est comme un distributeur automatique, ça. Mon dieu, il a bouffé le chat avec. C'est quoi ces sauvages? Alors non, les chats ne sont pas affamés, c'est juste des connards. Parce qu'en fait, tu peux leur donner à bouffer toute la journée, ils vont toujours avoir faim. Du coup, il va rester à côté de toi et il va faire « Miaou ». J'ai faim, nourris-moi, j'ai un petit peu faim. Même s'il fait 200 kilos et qu'il passe plus la porte d'entrée, bah c'est pas grave, il va quand même avoir faim, il va quand même te faire chier. Oui, ça sent le vécu, je sais. Ce couple est allé ensemble à la gym pendant 6 mois. Est-ce que le mec a resté dehors? Bah oui, c'est écrit qu'ils sont allés à la salle ensemble. J'ai plus de voix. Mais cela ne veut pas dire qu'ils sont tous les deux rentrés dans la salle de sport. Yes! Je sens que la course va être très compliquée. Je crois qu'on est déjà à 400 ou 500 mètres. 500, je crois. Le mec a pas compris. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Il y a des gestes qui sont beaucoup plus simples. Tu fais ça ou ça, tout le monde comprend. C'est tranquille. Qui est en train de filmer? Oh, regarde la tête du chien. 2 hours later. Pourquoi, à un moment donné, dans cette vie, je me suis dit que c'était une bonne idée de faire ces règles du jeu complètement stupides? Alors sincèrement, par solidarité, s'il vous plaît, courez vous aussi avec moi. Hein. Alors vous n'êtes pas obligé de courir les 600 mètres déjà que j'ai accumulés, mais courez autant que vous avez rigolé. Hé hé, je fais de la poésie. Super. Pourquoi je le sens mal là? Alors sincèrement, je m'attendais pas à ça. C'est Optimum Prime. Optimum Prime. Pouh, qu'est-ce qu'il fait chaud là? Je sais pas si c'est la casquette, les cheveux ou le temps, mais j'ai vraiment chaud. Le premier pas que ce mec a fait avait tant de détermination en lui. Voilà comment se débarrasser de tes amis qui te cassent les pieds. Hé hé, super recette. S'il vous plaît, appelez un prêtre, il faut exorciser la bougie qu'il y a sur le gâteau. Oh, le cri de la meuf est juste épique, j'adore. Et merde, j'ai encore rigolé. Attends, il faut vraiment que je commence à penser à des trucs trop tristes, du genre, je sais pas. Mais donnez-moi des idées en commentaire. Quand vous ne voulez pas rire, vous pensez à quoi? C'est que dans les moments comme ça où il faut pas rigoler, que tu pètes les plombs et tu rigoles et que tu ne peux plus t'arrêter. Voilà. C'est quoi ces yeux? Madame, votre chien a un petit souci? Pourquoi moi j'ai un cheveu sur la langue? Un petit souci? Un souci? Ça va, on tient bon, on tient bon. J'ai vraiment pas envie de courir un kilomètre, hein, les gars. Non, mais non, mais non. Hi, my name is Ian Woodley. These are my parents.
parents. My student number is 1761029. So how do I start my day? Every day I wake up at 5 o'clock and... Stupid guys. I wake up at 5 o'clock and I go for a jog. And then... Ah, le gros mytho. That's why my parents wake up, so I make Alors, shout out à mon frère. Frérot, si tu fais une vidéo comme ça, ça peut être exactement pareil pour toi aussi. Bisous. Mouah. Oh my god. Mais non. Mais non. Mais cette vidéo, elle représente tellement bien les gens qui voient du racisme partout. Je suis désolée. Oui, le racisme est quelque chose qui existe. Ce n'est pas bon. C'est mauvais pour la société, pour la terre entière. Ça ne fait que nous gangréner et nous pourrir. Mais des fois, faut arrêter, quoi. Moi, des fois, je fais des blagues sur la Roumanie. C'est mon pays. Mais c'est des blagues comme ça, toutes innocentes. Et là, t'as 15 Roumains qui me sautent sur la gueule en mode « C'est pas bien ce que tu fais !» Mais ferme ta gueule, c'est de l'humour. La meuf dans le fond. Super, vive le baby reveal. C'est génial. Oh la gueule du bébé en mode l'apocalypse est parmi nous, sauvez-nous. Du coup, j'ai perdu le compte. Je sais plus combien j'ai rigolé. Je fais combien? 700, 800 mètres, 900 on va voir à la fin de cette vidéo. Ceci n'était pas un rire. Non, c'était pas un rire. J'ai souri et j'ai bougé les épaules. C'est tout, je suis désolée. Ah, c'est horrible de... Le mec s'est littéralement transformé en télescope. Le gars, il peut voir Pluton. Alors, sincèrement, c'était laborieux. Donc, ouais, je vais aller mettre mes baskets et puis bah, on va se mettre à courir. Hein. Alors, j'ai mis mes vêtements de sport pour faire un petit peu de course. Quitte à courir l'été, en plus il fait chaud, bah on a choisi de courir à midi. Comme ça, bah on se chope une installation. C'est génial. Alors, Bogdan, aujourd'hui, me filme. Du coup, c'est une victime collatérale de toutes les fois où j'ai rigolé dans la vidéo. Donc, je tiens à m'excuser publiquement face à lui qui est obligé de me suivre dans toutes mes merdes. Bon, alors, j'ai une application. Comme ça, vous n'allez pas dire que je triche. Bon, allez, on arrête de faire la conne et on y va. C'est parti. Par contre, je peux vous faire différentes courses. Je peux vous faire le sauvetage à Malibu de Pamela Anderson. Ou alors, je peux courir comme Jack Sparrow. Si je fais un tour de stade comme ça, les gars, moi, demain, je suis morte. Hein. Allez, mon gars, vas-y, on y va. J'ai jamais compris les gens qui courent, mais qu'est-ce que c'est chiant. Et là, tu te pètes la gueule, mon gars, mais je meurs de rire littéralement. Nous avons un amateur. Là, j'ai couru 540 mètres. J'ai l'impression d'avoir fait Paris-Marseille, les gars. Et dire qu'il y a des gens qui font ça mais tous les jours. Mais les gars, mais respect, hein. Ah, ça, c'est le karma. Genre le 3 x 500 mètres que j'ai jamais fait à l'école. Aujourd'hui, ça me retombe sur la gueule. Je commence un petit peu à regretter. Allez, vas-y, là. Mais mec, attends, je vais crever. Mais t'as fait juste un manchot, là. Il reste 3 à faire, allez, vas-y. Il reste pas 3. Allez. 1 km. Ah. Arrête de dramatiser. Viens, tu cours. Oh, j'ai pas envie. Moi, j'ai pas fait de promesses. Ça, c'est quand tu fais des promesses que t'assumes pas. Eh, mais depuis tout à l'heure, là, je crois qu'on le voit plus, mais il y avait un papy en slip en plein milieu de la pelouse. J'étais là en mode, what? Allez, encore 200 mètres. On peut les faire, hein. Qu'est-ce que je fais pas pour vous, hein? J'ai fini, enfin. Je vous mets le screenshot quand même du truc, hein, pour pas après avoir des commentaires en mode, ouais, mais t'as même pas couru. Je vous garantis que j'ai couru et je vous garantis que c'était vraiment de la merde. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un like. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao !